Texas, with no place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième jour où Marine n'est pas là. Elle se trouve en Espagne, évidemment. Elle voit tous les produits de la nouvelle gamme triathlon de chez Aptonia. Pour ma part, aujourd'hui, je devais courir, j'avais des milles à faire. Malheureusement, comme vous avez vu, il neige, donc malheureusement, c'est pas possible de le faire aujourd'hui, vu que j'aurai aucune adhérence à la route avec des chaussures de vitesse. Donc hier, comme j'ai amené Marine à l'aéroport, j'ai malheureusement pas su aller nager, donc je vais en profiter ce temps de midi de partir un peu plus tôt, d'aller faire une belle session de natation. Donc au programme 2006, qui vont plutôt s'avérer être un petit 3000 je pense. Donc au programme c'est ça, et alors je prends l'entraînement de demain qui est un entraînement de home trainer. Si je sais, je ferai un petit peu de Swiss ball et d'élastique au soir. Je vous prends avec sur la route, je vous montre un peu les paysages et vous me suivez le reste de la journée, ça va? Allez, à tout de suite. Pour aller à la piscine, comme vous voyez, il y a pas mal de neige qui est tombée depuis ce matin. Ça tombait vraiment tout doucement, il n'y avait vraiment pas grand chose. Et là, là en fait, ça s'est bien accumulé, donc il y a bien une petite couche de 5-6 bons centimètres facilement sur l'auto. Donc c'est plutôt sympa. Malheureusement, c'est Marine qui aime vraiment beaucoup la neige qui se retrouve en Espagne quand il neige. Alors il faut savoir que je suis en train de tester le LGV30. Je n'ai fait aucun réglage manuel professionnel. Donc en fait, je l'utilise vraiment comme un utilisateur lambda. Donc vous débarquez en magasin, vous achetez le V30. À quoi est-ce que vous attendez? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce qu'évidemment, on n'est pas tous hyper pro tech. Et donc, moi, je vous montre absolument ce que vous avez quand vous sortez du magasin avec le LGV30. Voilà, petite séance de natte terminée. 3000 au total. Donc, je suis assez content. Alors, c'était beaucoup d'exercices, donc il n'y a pas trop de problèmes. C'est pas physiquement dur. Il neige toujours. Maintenant, direction la maison. Manger un petit bout et puis. On va voir ce qu'on va faire de l'après-midi, mais il y a un entraînement à vélo à faire. Heureusement que c'est du rouleau parce que putain, j'irai pas dehors là aujourd'hui. Je vais rentrer de la natte, donc je pense que je vais. Non. C'est pas je pense, c'est je vais me faire manger et puis après on verra. Bon voilà, tout simplement il neige encore, donc j'ai bien fait de changer mes entraînements. Allez, je fonce me changer et on descend sur le rouleau. C'est fini de jouer, maintenant on part pour l'entraînement. Allez, c'est parti. Bon, il est l'heure que l'entraînement commence, évidemment je suis à la bourre comme toujours, donc ça ne changera jamais. On se retrouve juste après l'entraînement pour continuer la vidéo. On se retrouve maintenant, voilà, après l'entraînement de vélo plutôt relax, avec quelques accélérations, donc pour garder un peu de rythme, c'est toujours plutôt sympathique et ne pas s'endormir sur le vélo. Là il est 19h30, je vais filer prendre ma douche, après je vais me faire manger et passer la soirée relax. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, peut-être déjà même demain. J'espère que celle-ci vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi des commentaires si vous appréciez la vidéo, si vous avez des questions sur le triathlon ou que sais-je. N'hésitez pas, c'est là pour ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, c'était Julien, ciao ciao.